שיר אמר לסלע דנו בצורה סילי קורסי ועניין, ידנו יציל נפשי מספר שקם לושן רמיו, מעית לך מה יוסף לך לושן רמיו, חיצי גבר שני מגח אלי רסומים, או יולי כי גרתי מאשר שכנתי מולי כי דרה בשוח לא ננפשי משני שלם אני שולם וכי הדבר הימו למלחום או גדוי לצדוקה שמקרבת את הגאולה, דנו אמפי לצדקה, סבנו פריסיפיטי לגאולה, אינסי כי לסקיוריטי de nos chers frères en Ukraine, en Eretz Israël, dans le monde entier. Mes chers amis, je vais partager avec vous aujourd'hui une histoire fascinante, un peu longue. Je vous encourage d'écouter à la fin, vous n'allez pas regretter. Promis. Sinon, l'argent rendu. Eh bien, un certain jeune homme au nom de Bogomilski, qui habite en Floride, j'ai entendu l'histoire de lui-même et c'est arrivé avec lui. C'est un homme d'affaires dans l'immobilier. Il était censé de rencontrer une personne représentant d'une grande organisation non-juive où il va acheter un centre d'aînés, un grand immeuble pour les personnes âgées. Il s'avère que la personne qu'il rencontre, c'est une sœur habillée dans les vêtements de sœur. Surpris, elle lui dit, oui, je vois que tu es surpris, c'est moi qui ai la représentante légale de notre organisation et c'est avec moi que vous allez traiter cette affaire. Mais j'ai une question à vous poser. Je vois que vous portez une kippa sur la tête, donc vous êtes juif. Est-ce que par hasard vous êtes aussi chassidique? Il lui répond, ma famille absolument chassidique, d'ailleurs mon père, rabbin Moshe Bogomilski à New York, c'est un rabbin important dans la communauté Chabad. Ah, vous êtes Chabad? Oui. Alors racontez-moi une histoire de votre Rebbe. Dit, madame, on est là pour traiter des affaires, on n'est pas là pour échanger des idées religieuses et chassidiques et des histoires. Écoutez, monsieur, avant qu'on traite des affaires, j'insiste que vous me racontez une histoire du Rebbe. Certainement, vous en connaissez. Puisque vous insistez, il dit, écoutez, un couple, la femme donc, elle est en train d'accoucher. Le mari à l'extérieur de la salle d'accouchement telle qu'à l'Alaha demande. Et tout à coup, le médecin il sort en urgence et dit, monsieur, votre épouse ou votre bébé sont en danger. On peut sauver ou là, votre épouse ou le bébé. J'ai besoin d'une signature de votre part immédiatement. Dites-nous ce que vous voulez. Choc total. Il dit, un instant, il faut que je fasse un appel. Il dit, monsieur, vous n'avez pas le temps de faire des appels. C'est moi le médecin, je dois... Monsieur le médecin, avec tous mes respects, il faut que je fasse un appel, sinon je ne peux pas vous donner l'accord. Qui vous allez appeler? Le Rebbe. Le médecin, il ne comprend rien. Vite, il trouve les anciens téléphones. C'est avant les cellulaires. Et téléphone public. Il appelle le bureau du rabbi. Secrétaire qui répond, il dit, voilà la situation, ma femme est en danger, j'ai besoin de réponse du rabbi immédiatement, quoi faire? Attends en ligne. Reviens quelques instants plus tard, le rabbi a dit de ne rien faire, laisser l'accouchement qu'il aille d'une manière naturelle, que le médecin fasse un accouchement régulier. Et tout ira bien, bracha et promesse du rabbi. Il repart vite en courant au médecin, il dit, monsieur le médecin, voilà. Ne faites pas d'avortement, chas v'shalom, ne faites rien, juste occupez-vous de l'accouchement comme que tout est normal. Il faut que vous signiez un document, que vous ne le relâchez de toute responsabilité, puisque ce que vous êtes en train de faire, vous mettez en danger votre épouse et le bébé. J'ai compris, il répond. Faites ce que je vous demande de faire. Signe, déclaration, ni le médecin, ni l'hôpital sera coupable de quoi que ce soit. Quelques moments plus tard, le médecin sort gêné, mais content quand même. Il dit, écoute, un miracle est arrivé. Votre épouse, le bébé, tout le monde va bien. Et ce jeune Bogomilski lui dit à cette sœur, moi je suis ce bébé. Et ceci est arrivé avec ma mère. Il dit, waouh, une histoire fascinante. Mais attends que je vais vous raconter moi une histoire de votre Rebbe. Et voici l'histoire. Il y a des années, il y a un moment, il fallait que je me déplace en Irlande
puisque comme vous voyez, c'est moi qui ai la responsable de l'immobilier de notre organisation. C'est une organisation internationale. Nous avons des immeubles, nous avons des églises en Irlande, et une de ces églises allait se vendre. Il fallait que je sois présent. J'arrive, on est assis avec le prêtre, les avocats, les acheteurs, moi, et discute de négocier de toute la vente. Transaction. À un certain moment, après quelques heures de travail, le prêtre, il dit, écoutez, il faut que je m'excuse pour une demi-heure, j'ai une chose que je ne peux pas repousser, et j'ai besoin d'une demi-heure de me retirer. Bon, demande une demi-heure, on a pris un break, comme on dit, on est. Alors j'ai utilisé cette demi-heure pour visiter l'immeuble. Je ne connaissais pas. J'ouvre une porte et là, je vois, hein, je suis choqué, elle dit. Je vois le prêtre assis à sa table, habillé avec ce que je sais maintenant, c'est un talit et des tefilines. Le prêtre qui me remarque, il devient blanc, il est choqué, il me demande de rentrer, ferme la porte, assis-toi. Il finit sa prière, enlève ce que je sais maintenant, c'est son talit et ses tefilines, et me dit la chose suivante. Il y a un moment, un soir, je suis devant la télévision et je cherche quelque chose d'intéressant. Tout à coup, en zappant, je vois un visage angélique. Parle. J'y suis resté branché pendant des heures. Je n'ai rien compris. Je vois ce visage, il parle. Ensuite, je vois les gens qui chantent, une foule extraordinaire, un dévouement extraordinaire. Je n'ai rien compris, mais ça m'a touché, je n'ai pas pu quitter. Il dit, le soir, je rêve. Ce rabbin, dans le rêve, il me dit, « Time to come home, il est temps de rentrer chez toi. » Je me réveille, j'ignore le rêve. Mais après 3 nuits de suite que ce rêve me revient, et à la fin qu'il me dit, « Tu es juif, il est temps de retourner à la maison. » Je dis, « Oh, il y a quelque chose. » Je savais que je suis un enfant de la guerre. J'étais élevé dans un monastère en France. Je ne connais pas mes origines. J'ai décidé de partir en France. Comme prêtre, ils m'ont laissé vérifier les documents. Et effectivement, j'ai retrouvé que moi, je suis un enfant des parents juifs qui malheureusement ont été déportés au camp de concentration. Je me suis mis à réfléchir. Je suis juif. Je dois connaître la religion juive. J'ai commencé à m'instruire, à me renseigner, discrètement. Je suis devenu un juif observant, religieux. Et j'ai décidé... Une fois que tout est réglé, je pars en Eretz Israël. Et je ne voulais pas faire des choses radicales. Par respect et remerciement à l'Église, ce qui m'ont élevé, m'ont sauvé, m'ont donné, même devenu prêtre. Je règle toutes les choses comme il se doit. De toute manière, la communauté n'est plus capable de supporter cette Église. On a décidé de la vendre. Dès que tout est réglé, je pars en Eretz Israël. Waouh! Quelle histoire! Je lui pose la question, mais qui est ce rabbin? Il a dit, oui, je me suis renseigné, c'est le rabbi de Lubavitch, le rebbe. Je rentre chez moi, elle continue l'histoire en Floride. J'ai commencé à m'instruire, me renseigner, et j'ai réalisé que c'était un grand homme. Et j'ai pu aussi savoir que tous les dimanches, tout le monde peut passer devant lui et recevoir sa bénédiction. J'ai décidé de partir à New York, habillé comme toutes les femmes juives. Je me trouve devant le Rebbe, pose une question personnelle sans m'identifier qui je suis, me répond ma question, me donne $1 et me souhaite, comme à tout le monde, bracha batzlacha, bénédiction et succès. Mais juste avant de quitter, et tout ça prend bien sûr quelques fractions de secondes, juste avant de quitter, il me rappelle, et me donne un deuxième dollar et me dit en anglais, « This is for our mutual friend in Ireland. » Ceci, c'est pour notre copain, notre ami mutuel en Irlande. Je ne lui ai pas dit qui je suis. Eh bien, mes chers amis, Ribbono shel Olam, ce n'est pas dans un rêve que le Rebbe nous a dit qu'il est temps de rentrer. Ce n'est pas dans le rêve que le Rebbe nous a dit que c'est le moment de la Goula, de rentrer en Eretz Israël, de rentrer au Beth Amikdash. S'il te plaît, fasse que ce Shabbat Agadol soit le vrai Shabbat Agadol, qu'on soit déjà tous ensemble au Beth Amikdash avec le Rebbe
qui nous mène dans la Géoula. Et ensemble, nous allons fêter, chanter et danser dans la joie de la Géoula. Shabbat Shalom. Yehi HaMelech.